Alléluia. 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 On va permettre à Cora de prendre position, de s'asseoir et d'observer un peu de silence. Parce qu'après la réjouissance, c'est maintenant le temps d'attendre la parole de Dieu. Si tout le monde est assis, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Maître Boris, asseyez-vous. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, peuple de la paroisse Saint-Gabriel, la merveille. Amen. À vous d'abord, je vous souhaite la bonne fête. Amen. Amen. Alléluia. Bonne fête de la moisson de l'année 2017. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que cette moisson, j'ai l'habitude de fêter les moissons dans cette paroisse, mais c'est une moisson exceptionnelle. Alléluia! La chorale a déjà fait La chorale a déjà célébré toute la fête. Amen. Et que Dieu bénisse cette chorale. Amen. Et Dieu bénisse un des maîtres de cœur que j'ai demandé au chargé, mais il était où quand je venais ici, je ne l'ai jamais vu. Il me dit, il a toujours été là. J'ai dit, mais il ne chantait pas alors. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, le 10 de ce mois, on a assisté à une fête de moisson à Bobigny, le cargo. Mais c'était aussi la joie, la chorale l'a animée pendant tout le temps, c'était la joie. Les gens ne voulaient pas arrêter. C'est ce que je viens de voir à l'instant précis. Depuis que le culte a commencé, depuis le début du culte, la chorale était en mouvement. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est le nom de Dieu qui est glorifié. Amen. C'est pas quelqu'un qui a été glorifié en ce lieu. Amen. C'est pour cela que je vous dis encore bonne et heureuse fête de la moisson 2017. Amen. C'est le Dieu de chauffage qui vous a invité en ce jour. Tenez compte de la disposition de votre cœur, la joie qui vous anime. Et Dieu aime quand il y a la joie. Pourquoi je suis au milieu de vous? Je ne veux pas être dans la tristesse. C'est pour ça que je suis là au milieu de vous. Amen. Je suis venu là pour me réjouir. Amen. Pour dire que le Seigneur est grand. Alléluia. Il n'y a point de Dieu au-dessus du Seigneur. Amen. Donc, pourquoi m'attrister? Qui peut aller contre la volonté de Dieu? Personne. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Il dit et cela s'accomplit. Amen. Alléluia. 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 Je vais maintenant souhaiter la bonne fête de moisson au nom du révérend pasteur Moubiena, Friday, Emmanuel, au chauffeur, à tous ceux qui sont venus célébrer cette fête de moisson. Amen. C'est-à-dire à tout le peuple de diocèse, que de tous les autres frères de diocèse, à son nom, je vous souhaite une bonne et heureuse fête. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous avez répondu à la volonté de Dieu. La fête de la moisson, c'est une ordonnance de l'Éternel. Oui, la célébration des fêtes de moisson existait depuis longtemps. Mais les Israélites, avant même les Israélites, et ils ont célébré la fête de moisson. C'était dans leur tradition. Et quand Jésus est venu, lui aussi, il allait dans les
trois fois par an, puisque Jésus a vécu 3 ans, que nous, on nous dit la Bible, d'autres disent plus, mais 33 ans. Chaque année, il se rendait dans les synagogues pour célébrer 3 fois par année. Il se présentait devant Dieu également, lui comme tout le monde. Alléluia! Alléluia! Parce que Jésus était soucieux d'accomplir la volonté de son Père. Donc, il accomplissait les lois. Alléluia! Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu, dans sa bonté infinie, va prendre plaisir à cette fête de moisson. Amen. Et quand il va prendre plaisir à cette fête de moisson, en retour, il vous bénira. Amen. Et je dirais, vous êtes déjà béni. Amen. Parce que quand vous demandez, sachez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Vous êtes tous dans la joie. Et cette joie, elle déclenche du ciel les bénédictions. Amen. S'il y avait un d'entre nous qui était belliqueux au milieu de nous, en tout cas, avec tout ce que nous avons assisté, la joie va l'animer et rien ne peut empêcher la grâce de descendre. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Parce qu'à cause d'une seule personne, Dieu peut faire grâce à tout le monde. Mais aussi à cause d'une seule personne, Dieu peut punir tout le monde. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, je vous disais que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que 2 textes nous sont donnés, mais les 2 textes se rejoignent, c'est le même texte. Cela parle de la moisson. Dans cette sphère de moisson, je vous ai dit que Jésus a son temps. Parce que quand on rentre dans le Nouveau Testament, on ne nous précise pas que la fête de la moisson était célébrée. Mais c'est sous-entendu, puisque Jésus se rendait dans les synagogues pour 3 fois par an. Le verset 16, lisez-le, il accomplissait cette volonté de son Père. Deutéronome 13, verset 16. Non, Deutéronome 16, là. C'est 16, ouais, verset 16, lisez-le. Deutéronome 16, verset 16. Voilà, il dit. Donc, la recommandation, l'ordonnance de Dieu dit 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Tous les mâles attendant tous les hommes. Voilà, c'est la transcription, la transcription en langue de l'hébreu en grec en français. Donc on dit tous les mâles. Mais attendez, tous les hommes, oui, se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Devant l'Éternel ton Dieu. On le personnifie. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Prenez-le de cette façon. Quand vous le prenez au sens général en disant l'Éternel, notre Dieu, non, il faut le personnifier. Éternel, mon Dieu. Et quand tu veux parler à ton frère, tu lui dis Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Comme ça, vous saurez que vous avez un Dieu. Que le Dieu est celui qui vous a établi. Il vous a appelé. Il vous connaissait depuis la fondation. Amen. Non. C'est comme ça que Dieu vous connaissait depuis la fondation. Vous êtes donc des appelés, des élus de l'Éternel. Que le nom de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, c'est l'Éternel ton Dieu. De se présenter devant l'Éternel ton Dieu, oui. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il choisira. Il a choisi où aujourd'hui? Saint-Gabriel, amen. Veille. Soyez éveillés, hein. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Oui. À la fête des pains sans levain. C'est la fête des pains sans levain. Ça dit, il y a 3 fêtes à ce moment-là. Et que je vous ai dit que le Christ lui-même observait. Il y avait la fête des pains sans levain, qui est la Pentecôte aujourd'hui. Oui. À la fête des semaines. À la fête des semaines qui est la... Non. La première fête, la fête des pains sans levain, c'est la Pâque. Et ensuite, la fête des semaines, c'est la Pentecôte. Et à la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles que nous fêtons aujourd'hui, qui est la fête de la reconnaissance de Dieu. Tout à l'heure, il y a un orateur qui l'a dit. Il dit, Dieu vous a créé et il veut.
créé. S'il ne devait pas veiller sur vous, il t'a créé, il t'a choisi. Et puisqu'il t'a créé, il t'a choisi, il t'a établi, quand vous mettez des enfants au monde, qu'est-ce que vous faites? Vous veillez sur ces enfants-là, non? Oui. Vous les mettez à l'école, vous les entretenez, non? Oui. Mais c'est que ce que Dieu fait, plus que nous qui sommes des parents, Dieu fait plus que ce que nous pouvons faire à nos enfants. Amen. Donc si nous savons donner à nos enfants, si nous savons être bienveillants envers nos enfants, croyez-vous que Dieu ne serait pas bienveillant envers vous? Alléluia. 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 Je voudrais que ceux qui font là attendent la parole de Dieu. Amen. Que vous attendez la parole de Dieu, que vous dites Alléluia, ça dit gloire à Dieu. Amen. Vous voyez? Donc Dieu est bienveillant envers ceux qu'il a créés. Amen. Et de surcroît ceux qui le craignent. Amen. Et vous êtes de ceux qui le craignent. Nous sommes aujourd'hui le septième jour de la semaine. Au lieu d'aller faire le jogging dans les rues, au lieu d'aller vous asseoir dans les bars, où êtes-vous venu? Vous êtes venu dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, vous reconnaissez que Dieu est votre Dieu. Amen. Et il est mon Dieu. Et il est votre Dieu. Amen. Alors, donc, vous obéissez à sa parole en disant, le lieu où il l'aura choisi, c'est là que vous allez vous rendre. Et ce lieu qu'il a choisi, c'est Saint-Gabriel-là. Merveille. C'est là que vous êtes venu pour vous réjouir. Oui, continue. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Voilà ce qui m'intéresse. Je vous ai parlé tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains. Vous avez entendu ça? Tout à l'heure, l'orateur vous disait, prenez les fruits, prenez les savons. Tout cela, ce sont les marques que vous allez prendre quelque chose et vous allez en tirer bénéfice. Amen. Parce que Dieu lui-même dit, vous ne paraîtrez pas devant ma face les mains vides. Pourquoi Dieu dit ça? Est-ce que là où vous êtes assis là, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour-là, ou bien du moins depuis l'année dernière, à la même date de la célébration, c'était toujours le 17 septembre. Depuis le 17 septembre de l'année dernière, 2016, jusqu'à la date d'aujourd'hui, 17 septembre 2017, Dieu n'a-t-il rien fait pour toi? Dieu n'a rien fait pour vous? Voilà. Même s'il n'a rien fait pour vous, n'avez-vous pas le souffle de vie en vous? Oui. Vous ne vivez pas? Oui. Tu ne parles pas? Oui. Tu respires? Oui. Bon. Est-ce que combien de fois tu as été à l'hôpital? Non. Ta santé n'est-elle pas bonne? Si. Va voir l'hôpital, ceux qui sont couchés à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Va voir ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Va voir ceux qui ont fait des accidents sur les routes. Va les voir et puis tu rendras témoignage à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, observait ce commandement et l'ordonnance de son Père. Trois fois par an, il se rendrait à la synagogue. Et comme lui, à ce moment, fils de Dieu, d'accord, mais cher et être humain qui est venu sur la terre pour vivre les choses de la terre. Donc, il rentrait dans la synagogue. Et lui aussi, il faisait des actions de grâce à l'Éternel. C'est-à-dire, il reconnaissait les bienfaits de son Père. Alléluia. Alléluia. Donc, cette fête-là, comme l'a dit l'orateur, c'est une fête de la reconnaissance. Si vous saviez, si vous êtes sûr, si vous avez confiance à votre Dieu, que vous savez, dans votre fort intérieur, je n'ai pas dit ceux qui doutent, hein, parce que ce qui est malheureux parmi tous les chrétiens célestes, nous doutons. Alors qu'il ne faut pas douter du Dieu très haut. Il ne faut pas douter du Dieu de chauffard. Parce qu'il est véritable. Il est véritable. Amen. Parce qu'il est véritable que vous avez la santé. Il est véritable parce que tu travailles. Il est véritable parce que toi et tes enfants, vous portez très bien.
Mais il est véritable pour tous les êtres humains parce que la Bible nous dit, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu, sa qualification, c'est que c'est un bon père. Et ensuite, c'est un donateur. Et ensuite, c'est un généreux. Donc, ici où tu es venu, tu dois être d'abord un bon fidèle. Deux, tu dois être généreux. Donc, c'est la générosité, la charité que l'on te demande aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Proverbe 11, verset 1er 2. Vous n'êtes pas rapide dans les lectures, les richesses, mais attendez. À Imekon, ce sont les femmes qui disent. Attendez. Les femmes. Parce que le pasteur a dit que les femmes n'ont pas l'occasion de prêcher, de parler de Dieu. Le seul moment de l'occasion qu'on vous donne, c'est de lire la lecture de Dieu. Or, quand tu lis la lecture, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez, c'est Dieu qui vous parle. Mais quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, lisez la lecture pour que Dieu vous parle. Les femmes, je vous attends. Proverbe 11, verset 1 à 2. La balance force et honneur. Non, j'ai dit non, Ecclésias. Ecclésias 11. Alléluia. Alléluia. Ecclésias 11. Jette ton pain. Voilà. Donc aujourd'hui, la recommandation qui est que vous devez partager parce que cela vient de Dieu. Dieu vous recommande de jeter votre pain sur la surface des eaux. Sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Oui? Donne-en une part. Et il me demande de ne pas donner une seule part. Il dit donne-en une part. À sept. Et même à huit. Et même à huit. Quand en un mot, partage ce que tu as. Aujourd'hui, Dieu vous a fait du bien. Dieu t'a donné du travail. Dieu veille sur ton travail. Dieu veille sur tes œuvres. Que ce soit des œuvres spirituelles, mais que ce soit des œuvres charnelles dans ta famille, autour de toi. Dieu veille sur toi. Donc aujourd'hui, Dieu veut que tu le reconnaisses comme ton Dieu. Et que tu te réjouisses. Oui, tu te réjouisses. Au verset 14. De la lecture, merci. Deutéronome 16, verset 14. Mon Dieu, vous n'êtes pas rapide, les femmes. Je dis les femmes, hein. Je veux plus entendre parler les hommes. Les femmes. Les femmes. Vous n'avez pas de vie, vous êtes assises, vous n'avez pas de vie, c'est pas normal. Voilà où les évangéliques nous dominent, là. Dans les évangéliques, ils ne peuvent pas entrer dans le lieu de prière sans que chaque personne ait sa Bible. C'est pas vrai? Alléluia. Alléluia! Mais comment voulez-vous suivre la parole de Dieu? Donc quand on se réjouit tout à l'heure, quand on va finir de se réjouir encore de nouveau, parce qu'il y a encore un temps de réjouissant qui arrive. Et dès qu'on sort de là, les paroles sont oubliées. Alléluia! Alléluia! Quand on lui demande, ah, comment ça s'est passé la fête? Ah, il a bien prêché, hein? Mais il a dit quoi? Ah non, il a bien prêché, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a bien prêché, j'ai dit. Mais il a dit quoi? Quel est le cœur de ce qu'il a dit? Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que le prédicateur a dit, quel est le cœur de sa prédication? Alléluia! Alléluia! Donc, je suis en train de dire, Dieu te dit qu'en ce jour, il faut te référer à l'image de Dieu. Quand tu es à l'image de Dieu et tu es à sa ressemblance, oh Dieu, il est bon, il est généreux,
et il est donateur. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu sois bon, tu sois généreux et que tu sois donateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Vous allez donner à Dieu. Parce qu'il a été le premier à vous donner. Dis ma fille. Oui. Tu te réjouiras à cette fête. Toi. Dieu veut que nous nous réjouissions à cette fête. Toi. Toi. Ton fils. Ta fille. Ton serviteur. Ton serviteur. Tous ceux qui sont de ta maison. Dieu veut que en ce jour nous nous réjouissons. Donc la chorale a raison de se réjouir. Amen. La chorale a raison de danser. Amen. Tous ceux qui dansent et qui se réjouissent devant Dieu, ils ont raison. Mais en même temps, Dieu leur a dit de ne pas paraître les mains vides. Alors, on tombe à la deuxième lecture, il dit que tu donneras le verset 2 Corinthiens 9, le verset 6. Sache-le, celui qui sème peu. Voilà, donc pourquoi Paul commence par « sache-le », c'est une mise en garde. Dieu nous met en garde, l'Esprit de Dieu nous met en garde. L'Esprit de Dieu me met en garde, l'Esprit de Dieu te met en garde. Pour dire, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches, oui. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et il moissonnera peu. Donc, à cette fête de donation, je vous ai dit, vous êtes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, à cette fête, Dieu est donateur. Il vous donne. Donc, donnez-lui. C'est un cantique qui le dit. Donne à Dieu. Vous connaissez le cantique là? Où est le maître? Il ne connaît pas le cantique? Bon. Bon, c'est pas grave. Et il y a un autre qui dit, tous les biens nous appartiennent à Dieu. Tout ce que tu as eu depuis l'année dernière jusqu'à ce jour, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu uses de cela, que tu investisses en usant de cela et qu'en retour tu investisses dans sa maison. Donc, chantez-moi à tes pieds, ô divin roi. Alléluia. 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 Écoutez ce cantique, là vous êtes suivi. Alléluia. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tout nos biens, car tout nos biens sont à toi. À toi seul et à tout toi. Voici, voici, voici nos présents. Tous nos biens sont à toi, à ton seul et à ton nom. Voici, voici nos présents, bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens, car tous nos biens sont à toi, à toi seul et à ton nom. À tout temps, voici, 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 voici,
Donc, voici le cantique qui vous instruit. Il y a trop de mouvements là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Voilà donc le cantique qui nous instruit que tous nos biens sont à Dieu et à lui seul et en tout temps, en tout lieu. Tout ce que nous possédons, Dieu nous les a donnés pour que nous les utilisons, mais que nous investissons en retour dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Alors, pour cela, il faut assez faire confiance à Dieu pour ne pas hésiter. Tout à l'heure, on va faire la vente de charité. On va faire d'autres encaissements des dîmes. Et le diable va encore toucher le cœur des uns des autres. Et vous allez vous asseoir dans votre fauteuil. Et les autres vont se lever. Ils vont aller payer leurs dîmes. Et ils vont aller acheter les objets de vente de charité. Et toi, tu vas t'asseoir. Pour toi, c'est comme si ça ne te disait rien. Tu as tort. Tu as tort. On ne se moque pas de Dieu. Et Galates 6. Galates 6, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7 et puis le 9. 6, Galates 6, verset 7 et 9. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura semé. Ce que tu auras semé au moment où les autres se lèvent. Ils viennent payer la dîme de la moisson, ou bien on fait la vente de charité, ils y participent, ils prennent un objet, parce qu'ils ont foi en Dieu. Toi, tu murmures dans ton cœur, dans ton fort intérieur, oh, qu'est-ce que tout cela ça va apporter? Parce que tu ne veux pas dépenser ton argent. Alors que tout est bien appartient à l'Éternel. Alléluia. Alors l'Éternel te dit, dans le secret de ta conscience, on ne se moque pas de moi. Oui. Il aussi. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras. Celui qui sème pour sa chair, celui qui sème donc pour sa chair, moissonnera de la chair. Il va me moissonner de la chair. La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Si tu raisonnes en esprit, alors, et que tu as la crainte de Dieu et que tu agis, alors en retour tu auras la récompense. Au verset 9. Ne nous lassons pas, mes bien-aimés, par de faire du bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, ne nous relâchons pas, Amen. Ne relâchez pas, continuez à faire du bien. Amen. Si tu avais l'habitude, ou bien tu fais du bien, continue toujours à faire du bien. Tu vas dire, ah, c'est moi seul qui fais tout, tu as tort. Faut pas raisonner de cette façon. Continue, fais-le pour le Seigneur. Tu fais ça pour Dieu lui seul. Alors, en ce moment-là, Proverbe 11 nous dit, au verset 24, allons, dépêchons-nous et puis on va finir, vous allez vous réjouir. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez danser et manger et boire. Et ça, c'est juste. Celui qui donne libéralement devient plus riche. Voilà, vous avez entendu ça. Alléluia. Celui qui donnera libéralement en ce jour-là deviendra plus riche. Oui, et tel qui épargne à l'excès. Alors, si aujourd'hui tu veux épargner, ne fais que s'appauvrir. Tu vas t'appauvrir, mon bien-aimé. Est-ce que vous voulez vous appauvrir? Non. Je vais vous demander. Hôtel, vous voulez vous appauvrir? Non! Corral, vous voulez vous appauvrir? Non! Les mamans, vous allez vous appauvrir? Non! Les fidèles, vous allez vous appauvrir? Non! Vous allez donc donner libéralement. Vous allez donner à Dieu. Vous allez donner à Dieu. Ce n'est pas un homme que vous donnez. Donnez! Et en retour, Dieu vous bénira. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, vous allez acheter les fruits. Amen.
Là, elle prend tous les paniers de fruits, là. Vous allez vous lever. Cantique. Jéhovah, source de toute grâce. Prenez vos paniers de fruits. Tournez-vous vers l'autel. Vous allez formuler vos vœux pendant quelques minutes. Ça prouve que tout le monde a un panier de fruits. Hein? Ceux qui n'ont pas le panier de fruits, prenez vos paniers de fruits. Vous ne repartirez pas les mains vides. Les dévanciers de Saint-Gabriel, veillez à ce que tout le monde ait un panier de fruits. Chacun a un panier de fruits. Petit comme grand, un panier de fruits. Devant Dieu, il n'y a pas de petit. S'il est petit, il va commencer à parfaire son avenir. Et la bénédiction va marcher avec lui. C'est un moment de concentration. Je vais prier pour vous, le Seigneur. Et le Seigneur doit vous bénir obligatoirement. Donc, attendez que chacun ait son fruit. Son panier de fruit. S'il vous plaît, la musique, arrêtez. Qui n'a pas encore eu le panier? Ceux qui n'ont pas encore pris les parfums et les savons, allô? Alléluia. Les fruits sont à 20 euros, c'est pas négociable. Nous ne sommes pas à un marché, nous sommes à une fête spirituelle. Voilà. Il ne faut pas négocier ta bénédiction. Il ne faut pas rabaisser ta bénédiction. Voilà, parce que quand tu dis donnez-moi le fruit à 10 euros, toi-même tu rabaisses ta bénédiction. Voilà, si tu veux être béni, fais comme Jacob. Voilà, fais comme Noé, fais comme Abel. Donc, on ne négocie pas la bénédiction pour au rabais. Beaucoup de dévanciers et de dévancières spirituelles aiment demander, oui, baisser le prix. Non, c'est pas bon. Je vous le dis, c'est pas bon spirituellement de dire de baisser. Au contraire, tu dois vouloir même acheter plus. Parce qu'il y a ta vie. C'est ta bénédiction. Si tu dis à Dieu, il faut faire ma bénédiction à 5 euros, il va faire ta bénédiction à 5 euros. On dit, c'est ce que tu auras semé que tu vas récolter. Donc si tu sèmes 5 euros, attends-toi à 5 euros toute l'année. Maintenant, ceux qui ont pris les savons, prenez vos savons aussi. Papa va faire la prière dessus. Le panier. Ceux qui ont pris le panier et qui n'ont pas payé, payez-les. C'est pas bon de prendre un panier sans payer. Ceux qui n'ont pas pris le panier, les fruits, qui ont les savons, prenez vos savons, papa va prier dessus. On se donne rendez-vous dans un mois seulement. Celui-ci, c'est vis-à-vis, c'est pas bouche. C'est acte. Jésus, c'est pas bouche. C'est acte. Tu veux mettre Jésus à l'épreuve et tu verras. La chorale attendait. Papa a dit d'attendre. Vous attendez.
Qui n'a pas encore payé? Dépêchez-vous. Vous n'avez pas le panier, vous n'avez pas encore payé. Donnez-la. J'ai dit, ne prenez pas le panier sans payer, c'est pas bon. C'est du vol. C'est pas bon, c'est pas bon, parce que on ne touche pas devant Dieu. Les bourses, vous n'avez pas le panier de fruits. C'est pas normal. Ah, vous prenez les parfums. D'accord. Prenez vos parfums et vos savons. Ceux qui viennent au délivrant tous les samedis, ils savent ce que c'est. Si vous êtes prêts, dites, l'homme de Dieu va prier pour vous. C'est bon? C'est pas encore bon. Ceux qui sont dehors, entrez s'il vous plaît. La prière, c'est un moment capital pour vous. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous êtes venus pour repartir avec la bénédiction. Et nous sommes sûrs que vous allez repartir avec la bénédiction. Moi qui suis en train de vous parler, je ne devais pas être parmi vous aujourd'hui. Parce que lundi, j'ai fait un accident très grave. Mais, comme je dis, quand tu loues Dieu, il dit le malheur frappe le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi vous me voyez debout, je marche au milieu de vous, mais si vous avez vu ce qui s'était passé, personne ne donnait vivant. Ceux qui m'ont vu ont cru que j'étais mort. Et d'autres même pensaient que j'étais dans le coma. Mais je n'ai eu qu'une petite égratignure. Et je suis devant vous. C'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ce Dieu-là, il ne faut pas le négliger. Si tu crois en Dieu, Dieu fait sa volonté sur toi. Si c'est bon, on va passer le micro à papa, il va prier pour vous. C'est bon? C'est bon? Ok. Auparavant, on va lire un passage biblique pour vous dire que la prière qu'on fait là, elle a une origine. Et vous avez entendu le chargé qui vient de dire que s'il est au milieu de nous, c'est que Dieu l'a délivré. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 10 à 11. Oui. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Oui. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre gloire. Il dit la grâce obtenue par nous. C'est-à-dire que c'est les Paul disait que eux, ils ont prié pour ce peuple de Corinthe. Donc, celui que Dieu a établi, il prie et l'Éternel exauce. Alors, on va prier pour vous. Ouais, la fin dit quoi? Pour que vous enrichissiez davantage. Amen. Pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Maintenant, prenez vos paniers
méditons quelques instants. Faites vos vœux sur ce panier. Je voudrais que tout le monde se tienne debout, comme si on saluait un drapeau, qu'on ne bouge plus. Maître, reste tranquille là où, voilà, où tu es. Que les photographes s'arrêtent. Pas de murmure, j'ai dit. C'est le moment où les gens se concentrent. Reste là où tu es. Concentrons-nous. Faites vos vœux. Chorale. Cantique, Jéhovah suce de toute grâce. Jéhovah suce de Yeah.
Michel. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Dieu de chauffage. Gloire, honneur, louange te soit rendu au plus haut des cieux. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. À l'instant précieux, au Seigneur. Je t'invoque. Je connais la voix de ton humble serviteur. Je prie pour le peuple que tu as invité en ce jour. Car chacun ici présent a reçu ton invitation. Et ils ont obéi à cela. Chacun porte un panier de fruits en main. Ô éternel, que ces fruits soient un symbole d'un arbre qui a donné du fruit. Un bon arbre qui a produit du fruit. Seigneur éternel, que ce arbre soit le symbole de la vie de tout un chacun. Amen. Que leur vie porte du fruit. Quand tu as dit, allez porter du fruit. Amen. Je te prie, oh mon Dieu, Dieu de chauffage, tes enfants élèvent la voix vers toi. Amen. Ils crient chacun vers toi. Amen. Le monde est difficile. Amen. La vie est difficile. Amen. Mais n'y a que toi, ceux qui peuvent venir à leur secours. Amen. Alors, en priant pour eux, Amen. À cette fête de la moisson, de Saint-Gabriel la merveille. Oui. Ô éternel, oui. Viens te manifester dans leur vie. Amen. Manifeste-toi dans leur vie. Amen. Manifeste-toi dans leur vie. Amen. Tout ce que le diable a voulu semer dans leur vie éternelle. Oui. Au nom de Jésus, oui. Tout soit rétabli. Amen. Au nom du sang de Jésus, oui. Tout soit rétabli. Amen. Tes enfants veulent toutes sortes d'ouvertures. Oui. Ils veulent les grâces pleuvent sur leur tête. Amen. Que la grâce pleuve sur leur tête, Amen. Dans leur foyer, Amen. Dans leur maison, Amen. Dans leur travail. Amen. Ô éternel, Amen. Ils veulent l'abondance de la grâce. Amen. Et que Seigneur éternel, qu'ils viennent rendre témoignage. Amen. Témoignage de tes bienfaits. Amen. Témoignage de ce que tu as fait pour eux. Amen. À ceux qui ont besoin d'être sauvés, Amen. Viens sauver leur âme. Amen. Car l'ennemi a les engloutis, viens les délivrer. Amen. L'ennemi les avait déjà donnés en pâture éternelle. Viens leur arracher de la main de l'ennemi. Et viens leur donner la vie. Afin que la mort s'éloigne d'eux. Que la maladie s'éloigne d'eux. Ô éternel, viens leur accorder le succès. Nombreux sont ceux qui veulent fonder des foyers. Donne, faire rencontrer les jeunes filles. Les âmes sœurs. Faire rencontrer les jeunes hommes. Les âmes sœurs. Afin de leur donner l'onction du mariage. Amen. Afin que chaque couple éternel Amen. Qui va produire des fruits, Amen. Qui vont faire des enfants, Amen. Constitue la famille qui viendra t'adorer. Amen. Oh Jésus, Amen. Exauce ma prière Amen. À cette fête de la moisson de Saint-Gabriel la merveille. Amen. Viens réaliser des prodiges. Amen. Opère des prodiges. Amen. Opère des prodiges. Amen. Agis puissamment. Si au milieu dans ce temple, quelqu'un avait une maladie quelconque, là où je suis en train de prier, que l'ange touche l'endroit où il y a la douleur, afin que la guérison s'opère. Au nom de Jésus, guéris la maladie maintenant. Là où la personne avait mal, qu'il rende témoignage dès maintenant. Aujourd'hui même, que témoignage te soit rendu pour dire que, ô éternel, l'ange a touché l'endroit. Où il y avait la douleur, Amen. Et la douleur a disparu. Amen. Oh Jésus, guéris les malades, Amen. Ceux qui souffrent dans leur chair, Amen. Comme ceux qui souffrent Amen. Dans l'esprit éternel, Amen. Viens les rétablir, Amen. Agis puissamment, Amen. En mangeant de ces fruits. Amen. Oh éternel, Amen. Que cela soit une source de bénédiction, Amen. Que les fruits soient le symbole de la bénédiction. Amen. Alors quand ils vont rentrer chez eux, Amen. Ils vont partager ce fruit avec toutes les membres de la famille. Amen. Alors éternel, ton nom sera glorifié. Amen.
qu'un témoignage te soit rendu l'année prochaine. Amen. Que tout ce que tu as fait pour eux, éternel, Amen. Que rien ne leur manque, Amen. Mais agis puissamment, Amen. Agis dans le diocèse, Amen. Et fais réconcilier le diocèse, Amen. Et que nous soyons comme un seul peuple. Amen. Agis pour ta gloire, Amen. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, Amen. L'amour de Dieu le Père, Amen. La puissance de l'Esprit Saint Amen. Se répand sur vous. Amen. Soyez bénis, Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel fasse pleuvoir la pluie de grâce dans vos maisons, dans votre vie, Amen. Dans vos lieux de travail. Amen. Soyez heureux, qui vous donne la paix. Amen. La paix toute l'année, Amen. La paix à chaque instant de votre vie. Amen. Que cette joie de paix vous anime. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur. Cette fois, alléluia. 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 Alléluia.